Jacques et le haricot magique. Voici la couverture du nouvel album que nous allons découvrir, et ce jusqu'à la fin de l'année. Nous allons découvrir l'épisode numéro 1. Avant ça, tu as dû regarder une petite vidéo concernant le vocabulaire, c'est-à-dire les mots difficiles de cet épisode. Les illustrations vont défiler et au fur et à mesure, je vais te lire le texte de Jack et le haricot magique. Écoute bien et regarde bien. Il y avait une petite ville où les habitants étaient tristes et pauvres. On disait que c'était à cause d'un terrible géant, mais personne ne l'avait jamais vu. Jack vivait dans une ferme près de cette petite ville. Sa mère était seule pour s'occuper de lui. Elle travaillait dur et ne possédait qu'une vache nommée Marguerite. Jacques passait son temps à regarder le ciel. Il observait la forme de chaque nuage et connaissait la place de chaque étoile. Il était encore trop jeune pour travailler avec sa mère, mais il aidait en s'occupant de traire leur vache. Un jour, Marguerite ne donna plus assez de lait et la mère décida qu'il fallait la vendre. Jacques proposa d'aller au marché. Sa mère hésita tout d'abord parce qu'elle le trouvait bien jeune. Puis elle accepta en espérant qu'il la vendrait à un bon prix. Voilà pour l'épisode numéro 1. Tu vas devoir maintenant prendre ton fichier de lecture et relire en lecture à silencieuse et à haute voix l'épisode numéro 1. Quand tu auras terminé la lecture, tu pourras faire la fiche d'activité proposée pour l'épisode numéro 1. Donc, activité, épisode numéro 1. Tu vas avoir des questions à faire. Une question ici où il faudra cocher la bonne réponse. Et ensuite, une phrase à écrire pour expliquer cette image. Voilà, bon travail !